Yo tout le monde, c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Red Dead Revolver. Et aujourd'hui, la suite du let's play, on est parti, on fait continuer. J'ai un setup un peu pourri aujourd'hui donc je suis désolé si c'est un peu le bordel. Donc là, boum, un écran de chargement Ah bah voilà, bah je vous laisse l'écran de chargement parce qu'il faut savoir qu'à chaque... Ça c'est un écran de chargement et selon les personnages qu'on va incarner durant le jeu... Les écrans de chargement seront différents. Mais vu que je vous les coupe, bah vous les voyez pas. Donc bah je vous le laisse celui-ci. C'est sympa. Je sais. Et donc on était là à Brimstone. Alors attendez, je baisse le son. De toute façon aujourd'hui j'ai un setup de pourri, mais vraiment. Donc c'est très bizarre. Alors attendez. Il faudrait que je règle un truc. Hop. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, on en était au chapitre 2, enfin on n'avait pas commencé le chapitre 2, je vous avais montré un peu à quoi ressemblait la ville de je ne sais plus comment elle s'appelle, Brimstone, c'est ça, c'est Brimstone. Et donc on avait fait aussi, surtout, la rencontre de Red dans le premier épisode. Et donc on est parti, on part directement pour le deuxième chapitre, qui est pas mon préféré, hein, on va pas se le cacher, mais qui est pas mal, ça va, c'est pas mal. If you're as good a bounty hunter as O'Grady says you are, you could help me with a couple of real outlaws wreaking havoc in my territory. It'd be worth a pretty penny to you. You might want to start with Pig Josh. He's one crazy outlaw and circus freak. Just be careful. He got a hankering for dynamite. Oh, you might want to keep your eyes out for some English fella. He don't know what a motley crew he's keeping company with. Alors, on est dans le magasin, donc à chaque début de mission, il y a le magasin. Donc là, on peut acheter de la dynamite, on peut acheter que de la dynamite, donc bah très bien. Ah, donc ça, je vous l'avais pas montré, donc à chaque début de mission, on a ça aussi. Et donc, on peut réparer les armes, c'est-à-dire que elles sont usées, un petit peu abîmées. Donc hop, on les répare pour qu'elles soient plus efficaces. Et voilà, je pense que... On va prendre ça et puis de la dynamite. Ok, bah c'est parti. Excuse me, sir. I seem to have found myself in a most unfortunate situation. If you would be kind enough to help me. You ain't my problem. Indeed, sir. However, you might feel differently once you look behind you. Et on est parti. Pour tuer des petits clowns. Alors attendez, j'ai pas joué depuis la dernière fois. Et donc autant vous dire que ça doit faire une semaine. Alors ce temps-ci vous avez pas trop d'épisodes. C'était surtout le retour des fêtes donc ça démarre tout doucement. Et puis je me concentrais sur le montage. On va changer, on va prendre le fusil. Je me concentrais sur le montage du Chris Apture 40. Du coup ça prenait un peu de temps. Et du coup je sortais moins de vidéos. Enfin j'avais... Voilà, par exemple, le soir, au lieu de tourner, je préférais faire le montage. Et donc, du coup, vous avez moins d'épisodes. Mais ça va revenir, hein, le rythme, je pense, va revenir tout doucement. Ah, Jack est toujours dans la cage, putain, j'ai oublié de te libérer, Jackie. Ça va mieux? T'es là. I'm guessing there's more where they came from. That contraption should make short work of them. I'll cover you. Alors, faut savoir qu'au montage, ça a été une galère, le premier épisode de Red. Parce qu'en fait, vous avez vu, il y a des bandes noires. Il y a des sortes de bandes noires, un peu comme si c'était un film, finalement. Sauf que moi, j'avais pas remarqué... Enfin, j'avais vu les bandes noires, je me suis dit, ouais, bon, c'est le truc qui est pas dans le bon format, je vais arranger ça. Et en fait, c'est illogique, il y a des bandes noires pendant le gameplay, mais pendant les cinématiques, il n'y a aucune bande noire. C'est très bizarre, et du coup, c'était le bordel. J'avais le son qui était décalé aussi de l'image, quoi. Pour le coup, j'ai pas compris pourquoi. Mais voilà, c'était un peu bizarre. Et donc, c'était une galère de monter le premier épisode. J'espère que celui-ci, ça sera mieux. Normalement, vous l'avez mercredi, si tout se passe bien. Si j'ai le temps de monter et uploader. Et samedi, normalement, j'aurai le temps de le tourner, je pense. Un épisode de GTA 4 qui durera une heure. Oui, rien que ça. Alors là, il y a la batteuse.
pourrais l'utiliser. Oh là, mais c'est tellement galère. Ah, c'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré, vas-y, appuie. D'accord, bien joué. Oh, mais ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau. Ouf. Mon gameplay doit être horrible à regarder. Je joue très mal. Je joue très mal aujourd'hui. Non, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Ça va, ça va, ça va. Hé, hey, toi. Bah, reviens. Oh non. Alors, moi, je crois que je préfère les fusils dans le jeu, mais j'aime bien le revolver, mais les fusils, ça fait quand même bien plus mal. Alors, faut savoir que chaque niveau a un boss, enfin, à peu près. Donc là, on va avoir un boss. Enfin, le boss, c'est surtout la personne qui est mise à prix et qu'on vient chercher, quoi. C'est surtout ça. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs niveaux comme ça jusqu'à ce que l'histoire démarre et se lance. Et donc, voilà, Monsieur Dynamite. Ok. Alors, oulala. Alors, attendez, faut que je me rappelle du truc. Il va me niquer. Oh! Non! En fait, faut que je me casse et que je lui tire dans le dos pendant qu'il me recherche, en fait. C'est très chiant. Donc là, par exemple, il me court après, il me court après. Là, voilà. Là, il m'a perdu. Ah, je peux m'accroupir. Dépêche-toi, 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 raid. Ok, donc là, là, voilà. Par exemple, là, il m'a perdu. Oh, il a vu Jack, hein, je crois. Hein. Oh oui. Oh, Jack, tu vas prendre cher. Ah, il sait pas monter les marches. Ça va, on a de la chance. Donc là voilà, il m'a perdu et donc le truc c'est de lui tirer dans le dos pour pouvoir Oh oh. Pour pouvoir le tuer. Ça va être très très chiant comme boss. Est-ce que vous croyez que... Oui. Oui oui oui. Non. Oh putain. Jack. Ok. Il est là. Il est là. Alors j'ai de la dynamite, mais je suis pas sûr que ça... Mais il me lâche pas, quoi. Il me lâche tellement pas. Tiens. Non. Je vais mourir. Je vais mourir. Il faut qu'il me perde. Il faut qu'il me perde. Il faut qu'on joue. Il est pas compliqué, hein, ce boss, il est juste chiant. Mais il est pas compliqué. Je vous jure. Donc attendez, on va prendre notre vieux troublon. On va juste faire en sorte qu'on se mette derrière, parce que si... devant, ça va être un peu la galère. Oula, là, il a repéré Jack. Donc c'est parti, on y va. Attention. Vite. Oh oh, je suis mort. Ah. Ok, on avait plus de vie aussi. Ça compte pas. Je viens de me rendre compte que j'avais pas lancé de chrono. C'est-à-dire que je sais pas du tout à combien de minutes on est. Bon, on n'est pas à 20 minutes déjà, j'imagine. Ah, quoique. Quoique. Non, on n'est pas à 20 minutes. Ah, on s'en fout. Écoutez, on fait au feeling. Je sais pas si je ferai mission par mission ou pas. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Je sais pas du tout comment je vais le faire. Mais ça va se faire, tranquille. Ok. Attention, on y va. On recharge. Où est-ce qu'il est? Ah, Jack, il tire par là-bas. Ok, ok. Ah, vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec Red Dead Redemption. C'est Red Dead Redemption, c'était... Oh putain. C'était vraiment quelque chose de nouveau. Bah déjà, le délire de l'open world, c'est bon, quoi, ça changeait tout. Ok, cours, 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 cours. Oh putain. Oh là là, mais j'ai l'impression d'être dans... comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Oh. Bonsoir. Ok, on va le niquer, on va le niquer. Il nous reste quoi? Allez, encore deux fois et puis c'est bon, je pense. Oh!
enculé! Ok. Ah! Vite, 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 vite. Il faut remonter avec Jack là. Oh putain, ou fuir tout simplement. Oh, comment on a eu de la chance! Comment on a eu de la chance! C'est un peu de la filtration, mine de rien. On est encore dans l'esprit Splinter Cell. On va le niquer, on va le niquer, on va le niquer. Oh non! Oh! Écoutez, c'est lui ou moi? Comme ça, au moins, c'est clair. C'est lui ou moi? Clairement. Vu que bon, il reste. Il lui reste une balle. Tiens, prends ça pour voir. Hop, ça n'a rien fait du tout. Tiens, bouge-toi, Jack. Attends, j'envoie de la dynamite un peu partout, hein. Oh, c'est bon, c'est le moment. Mais Jack, tu sers. Boum ! Balle dans le pied, ça tue. Bah, évidemment, bah, c'est prévu, c'est. Je vois pas ce qui gêne, ce qui choque. Et voilà. De rien. Your help has been immensely appreciated. If I can be of any assistance whatsoever, do not hesitate to call upon me. Now, if you'll excuse me, I have a certain debt to collect from Professor Perry and his circus crew. Good day to you. Eh ben merci. Et là, attention, on va contrôler l'anglais. Déjà, récompense, attention, on n'a pas un excellent, c'est clair et net. Et voilà, on a un bien. On n'a pas été assez précis, c'est vrai. En même temps, je suis une grosse merde. Mais j'avais déjà eu excellent parce qu'il faut savoir que j'ai refait le jeu, mais à moitié. J'avais refait le jeu pour débloquer du multijoueur. Enfin, pour débloquer des personnages en multijoueur, mais finalement, j'en ai eu marre et j'ai arrêté. Voilà. Donc, il y a des niveaux où j'ai excellent déjà parce que je les ai faits. Mais j'ai même pas fait la moitié du jeu, je crois. Donc, ça va être très rapide. Et là, attention, regardez le temps de chargement vu que je parle. Je vais pas vous le couper. Mais regardez qui on va incarner. Boum ! L'anglais. Jack Smith. 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 Bref, Jackie quoi. You cowards! Oh, somebody let me free! Oh, mister! Mister, please, you gotta cut me loose! Mister, please! Chut, ta gueule. Alors, vous pouvez reconnaître que c'est la, je crois, la fille du début du jeu, là, la fille du shérif, je crois. Parce que là, on est dans le niveau, vous savez, où on était venu, où on avait tué mon chien, tout simplement. Et ben là, c'est ça. Donc, je crois que c'est la fille du shérif. Alors, ce niveau-là, faut savoir qu'en termes de... Enfin, il est pas compliqué, hein. Mais, alors là, voilà, vous pouvez voir déjà que Jack n'a pas du tout le même... dès le machin, là, le sang-froid. Vous êtes beaucoup trop, vous êtes beaucoup trop, vous êtes beaucoup trop. Le même sang-froid que Red, lui, en fait, il est ça lock automatiquement. Il y a pas, c'est pas à nous de locker tel ou tel endroit. Donc voilà, et je voulais dire autre chose, mais je sais plus. Ah si, ce niveau-là est très compliqué. Enfin, je me rappelle qu'il était hyper compliqué pour avoir le niveau excellent. Mais après, il est pas compliqué à finir. Donc c'est cool, parce qu'on s'en fout d'être en excellent. Donc bon, ça tombe bien. Alors, Jack, elle est deux revolvers. Et le truc, c'est que les deux revolvers, ils sont assez longs à recharger, parce que bah, il y en a deux, du coup. Alors lui, il commence à me gonfler avec ses couteaux. Mais l'autre, je sais pas, je crois que celui-là, il est un peu plus dangereux. Bah voilà, mais il est mort, comme ça, c'est réglé. Parce que lui, il nous lançait des flammes et il avait un revolver, alors l'autre, bon, il a que des couteaux. Tu te tais avec tes couteaux. Oh, les trois en même temps, boum. C'est gratos. J'espère que mon micro sature pas trop. Jack. That wasn't very nice, Jack. Don't bet on making it out again. Ok, Perry. Alors, Perry est un personnage assez chiant à tuer. Alors, Atlas, lui, c'est bien, il est con. Donc, bah, ça tombe bien, il y a juste à viser dans la tête. Son bouclier ne sert absolument à rien. Alors, dégage. Non, non, mais je te jure, dégage. Voilà, boum. Et donc, Perry, il faut lui tirer dessus quand il apparaît aux endroits. Donc là, par exemple, il est là. Voilà. Donc là il est là, et voilà, là il disparaît comme ça, et il réapparaît à plusieurs endroits, et il y a des sortes de manches où il y a ces
Il y a ces soldats, entre guillemets, c'est larbin qui reviennent, je crois. Donc là, faut le trouver vite parce qu'il va disparaître. J'ai parlé beaucoup en très peu de temps. Ah oui, puis c'est gratos si on reprend sa vie. My boys will keep you busy. Coucou. Alors, si vous détestez les clowns ou si ça vous fait peur, c'est pour vous. Cet épisode, je vous le dédicace. Voilà, boum. Vos gueules. Attends, Perry. Perry, ça va. Périscope, lol, putain. Moi, je me déteste. Oh non. Et là, c'est ça le souci, c'est que si je rate mon sang-froid là, moi j'appellerais ça comme ça parce que je crois que dans Red Dead Redemption ça s'appelle comme ça. Et bah, le temps que je recharge, il a le temps de disparaître quoi. Bon, après, je pourrais prendre juste un revolver, mais je préfère, voilà, Jack il a deux revolvers, on garde les deux revolvers. Alors, il est où là? Il est là. Donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'il a la moitié de sa vie, et donc il va disparaître, et je crois que ça va lancer une cutscene, et il va reprendre sa vie. Jusqu'à ce qu'il ait plus de potions, entre guillemets. Je sais pas, on peut appeler ça un élixir. On appelle ça un élixir. Allez, c'est parti, on achète ça. Mais c'est un méchant un peu élégant, tu vois, il a une petite écharpe et tout ça, c'est tranquille quand même. Oh! Beau pantalon quand même. Mais tu ne sers à rien. Dégage. Alors je fais pas trop gaffe à ma vie parce que pour l'instant c'est pas trop compliqué quand même. Donc c'est bon, hein, voilà. Par contre après, oui, je vais devoir faire un peu plus gaffe. Bon là je viens de tirer dans Cathy, hein, je crois. Ou Katie. On s'en fout, je viens de lui tirer dedans dans tous les cas. Tais-toi. Alors les clowns sont quand même très très faibles. Ah, il est là. Boum. Bon, il lui reste plus grand chose comme vie. I've almost run dry. Okay, Swift, I've had enough of you now. Donc c'est même pas Smith, c'est Swift. D'accord, et ben j'aurais oublié dans le prochain épisode et je dirais Smith. Je vous le dis, c'est clair. Alors il est où là? Ah. Ah non, c'est pas toi. Tu n'es pas la personne que je recherche. Oula, attends, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Dégage. Ok, bon. Tu m'excuses, mais c'est lui que je veux. Oh bah il est mort. Attendez, je tue lui pour être propre quand même. Voilà. Ouh, il a de la chance, il s'est caché. Et bah voilà, t'es mort. A bit of your own medicine. That was incredible. You saved my life. Oui, c'est vrai. I only wish it were more financially gratifying. Well, shoot, mister. If getting yourself a little money's all you're worried about, then I know where someone with your talent could pick up $5,000 in gold without even trying. Pray do tell, young lady, and I would be forever in your debt. There's a sharpshooter competition in Brimstone. Winner takes all. Shouldn't be a problem for such a fine marksman like yourself. Well, madam. Eh bien, écoutez, on se quitte ici. Hein, on va pas aller plus loin, en plus j'ai pas de chrono. Alors je pense que l'épisode fait un peu moins de 30 minutes. Mais il doit être un épisode de 20 minutes au moins, je pense. En tout cas, le prochain épisode fera une heure, je pense. Parce que bon, voilà. Par exemple, là j'avais pas eu d'excellent déjà quand j'avais refait le jeu. Et on s'en fout, hein. Je crois que l'excellent, bah, c'est pour gagner Perry, le professeur Perry pour le multijoueur. Bref, on arrête ici. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode qui durera une heure normalement. Faut savoir que le jeu est pas très court, enfin il est pas très long, au contraire, il est court. Moi je me rappelle que quand j'étais plus jeune, et bah je le finissais en une après-midi. Donc il est assez court, je pense qu'on peut le finir en 5 heures. Honnêtement, je pense qu'il y a moyen. Ah quoique, 5 heures c'est... Ah quoique, peut-être que je jouais beaucoup aussi quand j'étais petit. Ah, je pense qu'entre 5 et 6 heures c'est largement possible. Donc le prochain épisode il fera une heure et on verra ce qu'on a le temps de faire ou pas. En tout cas, le jeu est cool, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ce let's play vous plaît quand même. Et puis voilà, allez, à la prochaine tout le monde.
Si t'avais pas vu le premier épisode, il y a le lien dans l'outro, vas-y, tu peux cliquer. Et puis même, si t'as pas vu l'épisode de GTA 4 encore, il y a le lien dans l'outro aussi. C'est cadeau, c'est tout ça. Allez, ciao, à lundi. Bisous.